Alors, mon coup de cœur pour cette fin d'année 2020 en jeunesse, ça sera l'album Je ne veux pas hiberner pour faire comme le bison. Donc, c'est un album très sympathique. Donc, on rencontre l'ours qui va lui-même rencontrer le bison et puis en discutant, il va comprendre que le bison, bah, lui, ne dort pas l'hiver. Il reste dehors. Et bah, du coup, notre ours, bah, il a envie de faire pareil parce que finalement, c'est triste pour lui, il ne voit jamais l'hiver. Il aimerait bien savoir ce que c'est l'hiver, la neige, le froid, les flocons. Donc il va tout faire pour pas s'endormir, ce qui va pas être facile parce qu'il y a des petits êtres, les tuconis, qu'il prépare pour l'hiver. Donc eux, ils sont pas très contents parce que voilà, ils essayent de le préparer pour l'hiver, mais l'ours, il refuse de dormir. Donc une histoire très sympathique à raconter à vos enfants. Mais l'originalité de cet album, c'est que quand on va le retourner, on a la deuxième histoire. On a l'histoire du bison qui, lui, il veut hiberner pour faire comme l'ours. Parce que si l'ours, il veut savoir ce que c'est l'hiver, le bison, lui, il sait ce que c'est l'hiver. Donc, il aimerait bien rester au chaud dans une caverne à dormir. Donc, lui, il va tout faire pour que les petits êtres, les tuconis, lui préparent un petit lit douillet pour dormir. Est-ce qu'il va y arriver? Là est la question. Donc un album très sympathique avec des coloris très pastels, très douces. Moi j'aime beaucoup les petits animaux, le bison et l'ours, je trouve qu'ils sont assez sympathiques quand même. Les petits tuconis sont très sympas aussi. Donc à découvrir à partir de 4 ans pour vos enfants et à la médiathèque.